ما مهمش انه هذه هي كرة القدم. لي بينالتي كي 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 البينالتي اللي كيتجباد وكي اللي كي كيتسجل. حنايا هنا عائلة باش نغطيو على بعضياتنا. حنايا 11 ديال اللعابة وسط التيران، يعني الا زقلات وحدة غادي تريكيبيري الاخرى من وراها. الحمد لله ما نزلناش يدينا، واخا البنات زقلوا لي بينالتي. الحمد لله لنا الثقة كاملة في اللعابة اللي تيراو لي بينالتي، والحمد لله كيف ما شفتوا واخا زقلنا الحمد لله ربي نصفنا، وقدرنا اننا نبقاو بيان كونسونطري، ما نخرجوش من لي بينالتي، والحمد لله راه تعطات النتيجه ديالها. بون كيف ما شفتوا انه استقبلنا جوج الاهداف، مي الحمد لله حنا مولفين اننا كيف كنقولوا لها الرنطادة، كنبقاو حاطين رجلينا للارض، كنبقاو بيان كونسونطري. ديجا طراونا بزاف ديال لي سيناريو بحال ما هكا، وعرفنا كيفاش نرجعوا في المقابلات، حيت تايقين كيف قلت حنا عائله وتايقين في بعضياتنا، والحمد لله مطرات لنا با مال فوا وقدرنا نرجعوا في النتيجه. وكنشكر عاوتاني كاع اللاعبات، وكملنا ربع 15 دقيقه في 15 دقيقه ودزنا لي بينالتي. ما صافي. Bon, toutes et à tous, merci pour les félicitations, les émotions. C'est le maître mot, c'est l'émotion. On était le petit poussé de la compétition. On arrive à se qualifier en demi-finale, chose qui est exceptionnelle pour nous. Et au terme d'un match compliqué où on est mené deux fois au score, on réussit à revenir deux fois et à remporter cette finale au bout du suspense. Ça procure que des émotions juste incroyables. Je pense que même moi, je ne suis pas encore conscient. Ben, on se sent déjà heureux de participer à cette finale. Déjà, c'est quelque chose d'historique pour nous. Après, on jouera une grande équipe de Mamelody, qu'on a déjà joué effectivement en phase de poule. On va essayer de se donner toutes les chances de gagner, mais déjà, on va essayer de profiter surtout de l'instant présent avant de préparer la finale à partir de demain. Aujourd'hui, je veux surtout qu'on profite. Déjà, c'est juste exceptionnel, il faut le noter, autant de public pour un match féminin et non pas de nation, un match de club féminin. Donc déjà, c'est vraiment exceptionnel de jouer dans ces conditions. Secondement, on a affaire à un public vraiment avec beaucoup d'ambiance. Alors, une partie supportait l'équipe ghanéenne, une partie nous supportait. Et je tiens vraiment à remercier tous ceux qui nous ont encouragés, qui nous ont poussés au bout, parce qu'il fallait de l'aide pour revenir deux fois au score. Il fallait de l'aide, il fallait un support, il fallait un soutien. Et on l'a eu, donc je le remercie encore. Je remercie le public ivoirien qui nous a poussés. Effectivement, c'est une très bonne remarque. Sur les deux derniers matchs, on avait bien démarré. C'était encore notre plan de jeu aujourd'hui. Essayer de plier la rencontre dès la première période. Malheureusement, on a fait affaire à une équipe qui nous impose un rapport de force, qui nous compliquait le fait de bien démarrer la rencontre. Et on a ce pénalty, hein, cette main qui nous donne un pénalty contre nous. Et donc rapidement, on est mené au score. Donc ça n'aide pas à rentrer dans la partie. Ajouter à ça voilà, l'émotion, un petit peu le stress de jouer cette demi-finale historique pour le club. Ça a fait que l'équipe n'est pas bien rentrée dans sa partie, mais comme notre premier match contre l'Atlético Abidjan, on était mené à la mi-temps, les filles ont su toutes les ressources nécessaires pour revenir en seconde période, et vraiment je les félicite parce qu'il faut de la force mentale pour revenir en seconde période dans un tel match.